Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Si beau mon pays. Si beau mon pays, c'est une balade, un voyage, une découverte à travers différentes cultures, différentes régions de notre beau pays, le Bénin. Si beau mon pays dépose aujourd'hui ses valises à Porto Novo. Porto Novo, la capitale de l'ancienne colonie française du Dahomey depuis 1830 et la capitale de l'actuelle République du Bénin depuis les indépendances. Suivez-moi, nous allons découvrir ensemble Porto Novo sous différentes facettes comme vous ne l'avez jamais vu. Eka bonilu adjache mikwabo tohogbonu. Bienvenue à Porto Novo. Le jour se lève sur Porto Novo. Chacun va déjà à ses différentes activités. Les commerçants prennent le chemin du marché, mais surtout les fonctionnaires qui doivent quitter Porto Novo pour se rendre dans leur service à Cotonou, déjà au plus tard à 8 heures, se succèdent sur ce pont en voiture ou à moto. Certaines personnes s'en vont à l'église prier le bon Dieu avant de démarrer la journée. Porto Novo se réveille. Et à Misatalo, 200. Oh, soin 200. Merci. C'est vraiment d'où le soin de Porto Novo. On ira voir du côté du riz ce que ça donne. Nous prenons ça, on est toujours content à tout moment. Et les émigrants, c'est ça qui vient pour les machins jusqu'à 14h. Bonjour, laissez-nous. Même les filles. Eh yo, on t'a dit. Oui, big pour maca, mais bon ça, laissez pour maca quoi, bobolo 200, le plat mais. Azindo po, wevi do po. Miana mi sunu gandi. Bona mi ja gandi. Il y a beaucoup de taxis moto, des M derrière moi qui viennent manger ce riz là les matins
pour avoir beaucoup de force et démarrer la journée. Voilà ce qu'on peut avoir comme petit déjeuner à Porto Novo. Je savoue pour l'instant mon riz. Bonjour, Adoyoro. Adoyoro, allo, Chakbalo. Chakbalo, Nemi Fongo. Eh, Nano Chakbalo, Mr. Chakbalo, Nebim no Sassin. Eh, Mr. Sampon. Bon, y'a ba clé, bédé de main. Et Vivi Gandia. Et mon Vivi, dis-le, non, vesti, bédé de main. N'y a pas l'homme, gosse. N'y a pas l'homme qui l'adore. Si y'a l'homme, c'est. Et au Tchina, quoi. Et à me bâcler de main. Merci. Et un Tchenmi. Bonjour papa. Bonjour. Vous êtes en train de manger du angoli, on appelle enfant comme les mains. D'abord, présentez-vous à nous s'il vous plaît. On m'appelle Gaston. Chef, vous avez un plat de angoli entre les mains et plusieurs personnes d'ailleurs mangeaient tout à l'heure ce plat-là. Est-ce un plat de Porto Novo? C'est dans les mains principales. D'accord. Beaucoup aiment ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il prépare ça? Qu'est-ce qu'il prépare ça? Il prépare avec haricots. Tu es haricots? Haricots, farine de maïs. D'accord. Et de moule. D'autres font du dja. D'accord, de la friture. Oui. Et c'est bon. On mange ça. C'est un repas qu'on peut manger le matin ou à... Ça se mange à quelle heure de la journée? Matin ou bien vers midi 30. Là, si tu prends ça, on prend de l'eau seulement. Tu ne vas plus rien sentir. D'accord. J'ai aussi constaté que c'est appelé sous divers noms. On dit Tchongoli. On appelle ça Zankwiti. Et on appelle ça encore Nyomli. Pourquoi le Nyomli? Pourquoi le Zankwiti? Au temps de nos aïeux, on ne prend pas ça avec prier. D'accord. Ça, c'est la main. Ça se prenait avec la main. Pourquoi on appelle le Nyomli? Ok. Et oui. On a digéré. D'accord. Super. Donc, le Djongoli, le Zankwiti ou le Nyomli. Elle se fait à base de haricots et de farine de maïs. Et de l'huile. Et on prend ça à n'importe quelle heure de la journée. D'accord. Merci à vous, Monsieur Gaston, et bon appétit. Merci. Nous sommes chez vous, nous sommes à Porto Novo. Nous voulons suivre avec vos yeux ce que vous avez à vendre au Bénin. Porto Novo, ça fait 52 km². Porto Novo est situé au sud-est de notre pays, notre beau pays, entre les communes de Semekoji au nord, et la commune d'Adjara, la commune d'Avankou et la commune des Agégué. Porto Novo a
partage une bonne partie de sa côte avec la lagune de Porto Novo. En termes de population, comme vous le savez, le peuplement de Porto Novo a été fait par les communautés qui ont migré par du Nigeria, oui. Les chasseurs. Et ici, même là où nous sommes, l'obélisque avait un sens qui symbolise même le lieu de naissance de la ville, puisque c'est l'obélisque qui caractérise, symbolise le premier emplacement des premiers habitants de Porto Novo, et où même la mère, la reine mère, a donné naissance à neuf enfants à la fois. Et donc, c'est ces chasseurs-là que le peuple Adja est venu retrouver ici, et en migrant de Tado vers le plateau de Porto Novo, en passant bien sûr, bien évidemment, par Alada lorsque Théagbané, à la recherche du pouvoir, a bien voulu s'installer ici. Mm-hmm. Donc, c'est une ville cosmopolite où cohabitent aussi bien plusieurs religions. Oui. Donc, nous vivons dans une atmosphère pacifique. Et Porto Novo, c'est une bonne partie de l'histoire du Bénin. Au même titre que d'autres régions, c'est une ville historique, un ancien royaume, le royaume de Porto Novo. Et comme vous le savez, c'est la ville aux trois noms. C'est Adjaché, pour ceux qui sont venus, les Yoruba, Kogbonu pour les Goum, et Porto Novo pour, comme vous le savez, les Portugais à travers De Campos. L'ancêtre des De Campos qui sont ici à Porto Novo, de Carus. La ville aux trois noms. Cet arbre que vous voyez juste derrière moi a plus de 600 ans, 600 années que les trois chasseurs qui ont fondé Adjaché ont retrouvé cet arbre-là. Là. Et toute cette zone que vous voyez, c'est leur site, c'est là où ils chassaient. Et est-ce que vous savez que dans tout ce quartier-là, c'est le premier site d'installation des hommes à Porto Novo? Lorsque vous arrivez à Porto Novo, ce qui frappe à l'œil, ce qui attire l'attention le plus, c'est le style architectural. Plusieurs styles architecturaux se mélangent et forment le beau décor qu'on voit dans presque toute la ville. Pour en parler, nous allons voir Madame Geronimo Zamansou. Elle est gestionnaire du patrimoine culturel. On y va. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va bien. Nous sommes ici devant un style afro-brésilien et vous allez nous parler de ce style-là. Madame Saint-Tiche, sur le plan de l'organisation de l'espace et sur le plan architectural, Adjaché, Kogbonu, Porto Novo est caractérisé principalement par trois tissus architecturaux. Nous avions le tissu vernaculaire à l'est de la ville, nous avions le tissu colonial à l'ouest et nous avions le style de tissu afro-brésilien qui est ici également et qui se trouve principalement au nord-ouest de la ville. Nous allons à leur découverte. Ici, nous sommes à la mosquée centrale de Porto Novo. C'est une mosquée à l'architecture majestueuse. Elle est majestueuse. Nous sommes vendredi et les fidèles musulmans sont en train de sortir. Wow.
C'est une mosquée centenaire. Elle a été construite d'ailleurs tout au début du 19e siècle. Là, c'est le patrimoine afro-brésilien. C'est un bâtiment de style baroque qui a été construit par les afro-brésiliens, les esclaves affranchis. Et c'est beaucoup plus une architecture décorée avec des couleurs vives, des symboles et des figures géométriques. Donc c'est beaucoup plus la spécificité de cette architecture-là. Au niveau de cette mosquée, les couleurs qui sont mises là ne sont pas anodines. C'est pour appeler les fidèles musulmans à l'amour, à l'entente, la cohésion sociale, à la paix dans leurs gestes quotidiens et à la prière. C'est une mosquée, mais cela ressemble à une église. L'architecture a été inspirée des églises de Saint-Salvador de Bahia au Brésil. La seule différence ici, c'est qu'il y a le croissant de lune pour montrer sa spécificité en termes de mosquée. Mais la mosquée a été inscrite comme un patrimoine classé pour la ville de Porto Novo à la suite d'une étude pour la réhabilitation de la ville historique qui a été menée en 2001 et 2003 pour permettre à ce que la ville de Porto Novo soit candidatée à son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Lorsqu'on parle d'un patrimoine classé, c'est pour attirer l'attention, que ce soit de la population, du gouvernement et même du peuple international, à la préservation de ce patrimoine-là et aux recherches de financement pour la réhabilitation de ce type de patrimoine. L'architecture afro-brésilienne est une belle bâtisse construite à partir de briquettes en terre cuite et des matériaux locaux. Nous allons donc continuer d'autres découvertes. Merci, madame. Merci beaucoup. Ici, c'est l'École du patrimoine africain EPA, une institution qui contribue à la préservation et à la valorisation des patrimoines des peuples et pays africains. L'architecture coloniale, pour pouvoir reconnaître cela, il faut voir déjà que c'est une grande bâtisse. Il y a beaucoup d'ouvertures et le toit est souvent en pente. Donc, pourquoi de grandes ouvertures? Ce sont souvent des bâtiments qui sont adaptés au climat de la région où on l'implante. Ici, par exemple, nous avons un climat tropical, donc la plupart du temps, c'est les saisons sèches, les saisons de pluie. Donc, grâce aux ouvertures et aux galeries qui sont souvent adaptées à ce type de bâtiment, on est protégé du soleil, on est protégé des vents et on est protégé des pluies qui peuvent encombrer ou bien entrer dans ces bâtisses-là. Donc, l'air circule tout naturellement grâce aux grandes ouvertures que vous observez là, les colonnades et autres, et vous voyez les fenêtres. Il y a assez d'ouvertures pour permettre une bonne ventilation du bâtiment. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver? L'architecture coloniale était conçue en temps dans le cadre de l'administration. Donc, comme je dis, à l'entour au rez-de-chaussée, on peut voir les galeries pour l'accueil. Et puis après, il y a les couloirs, les répartitions pour entrer dans les autres bureaux. Donc, actuellement, c'est des administrations, c'est des offices, c'est des bureaux. Voilà, c'est ce qu'on observe actuellement. Et c'est un prolongement des fonctions que ces bâtiments avaient occupées dans le temps. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ces bâtiments peuvent revenir et servir de maison. Parce que déjà, il y a l'économie qui entre, l'économie durable qui est là. Parce que déjà, on n'a pas besoin de mettre du climatiseur dans ces bâtiments. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir des brasseurs pour pouvoir avoir une bonne aération. Donc voilà les avantages que ce type d'architecture peut offrir. Appelé architecture afro. Non, non, architecture coloniale. Coloniale, donc c'est différent de, différent de l'architecture afro-brésilienne. Yeah.
Ce qui fait aussi la beauté de Porto Novo, c'est la cohabitation pacifique des religions. Juste derrière moi, il y a le temple Zangbeto. À côté, la mosquée centrale. Et de l'autre côté, nous avons l'ancien palais royal qui est aujourd'hui le musée Momé. Toutes les places vaudou de la ville de Porto Novo sont en train d'être rénovées. Monsieur Yantien Gaglozon, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes où actuellement ici? Alors ici, nous sommes sur les places vaudou jumelles d'Adjina, la place vaudou d'Issouboga et la place vaudou d'Ihoué. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis 2015, des places vaudou de Porto Novo ont commencé à être rénovées grâce à l'association Wadada sur le projet appelé Éclosion Humaine. Ici, sur cette place vaudou d'Adjina, nous avons naturellement des temples vaudou qui abritent des divinités comme le Tokhosu, le Leba, le Tan, le Sapata. Nous avons des arbres sacrés comme celui que vous avez là derrière vous, qui est un fromager. Nous avons de l'autre côté de la place du Souboga, l'Iroko. Okay. Et ici, la particularité de cette place ici, c'est aussi la rue des artistes. Et pourquoi la rue des artistes? Parce que lorsque nous rénovons les places, eh bien, les artistes praticiens interviennent sur ces places pour raconter l'histoire de ces places en faisant des œuvres sur les murs. Et pendant cette période, donc, ils sont mis en résidence où ils créent des œuvres qui sont exposées dans cette rue des artistes que je vous demande de venir, nous allons visiter. Je vous suis? Ouais, je suis. On y va alors. Porto Novo, c'est aussi le rythme, c'est de la musique. Nous allons tout de suite découvrir une dame, elle est artiste chanteuse de la musique traditionnelle de Porto Novo. Elle s'appelle Madame Aimé Rovinou. Bonjour Madame Aimé. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, je vous rends grâce. Vous allez nous parler de Porto Novo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette belle ville-là? Hey, Porto Novo est devenu un petit Paris aujourd'hui. Précisément, regardez la voie d'Adjara. Et si vous rentrez dans Djassé, regardez un peu aujourd'hui comment nous sommes à Porto Novo. Aliwaito. Je suis très très contente. Le gouvernement de l'Ofinete, mais de l'Azoua, ministre Aloni. Hey, ministre Aloni, vous faites de la musique traditionnelle. On a envie de chanter, on a envie de danser. Vous allez nous fredonner quelque chose et on va faire une petite ambiance. Il n'y a pas de souci, ça là, c'est un plaisir. Bineto mito, tode me gigono sano hipoche de. Bineto mito, tode me gberu tanu tamlondo. Bineto mito, tode me gigono sano hipoche de. Merci
edomisi tiweye botale manjo to tito na wemina bolo boze tohi tolana inze taka edomisi tiweye botale manjo to tito binento mito tode meki golo sano ipotede binento mito tode meka masano na Notre pays est un pays cher à nous. Très cher. Merci à vous, Madame Abbé. Bonsoir, Monsieur Godoron. Bonsoir. On est à Porto Novo, il fait nuit. On est à Wando. Je suis jeune, vous êtes jeune. Si j'ai envie de m'amuser le soir, qu'est-ce qu'on fait? Et pour vous amuser le soir à Porto Novo, vous devez vous rendre dans les discothèques. Les bars et les bars restaurants, VIP, les salles de jeu pour jouer au jeu de billard. Et dans certains quartiers, par ailleurs, il y a le jeu des jeux de loisirs. Vous avez la pelote, le jeu de pique, le jeu de dame, etc. Et comme vous le voyez déjà, d'ici les 22h23, la ville est mouvementée. La ville est mouvementée, vraiment, on voit que la ville est vraiment mouvementée. Et quand on est des quartiers, quand on n'est pas dans les quartiers pour jouer aux jeux et tout, il n'y a pas autre distraction? La seule distraction pendant la nuit, c'est les bars VIP. Les bars VIP. Oui. Donc, on va se mettre sur notre honteur, on va enlever les bombas, justement. Et puis on va s'amuser. Pas de soucis.